Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi des mémoires, 8e partie. Le chancelier d'Aguesseau, l'esprit du palais et le génie de l'irrésolution. Il naquit le 26 novembre 1668. Avocat général 12 janvier 1691 à 22 ans et demi, procureur général 19 novembre 1700 à 32 ans, chancelier et garde des Sceaux de France, 2 février 1717 à 46 ans. Le père de son père était maître des comptes. Il est bon de n'aller pas plus loin. Ce maître des comptes maria pourtant sa fille au père de messieurs d'Armentières et de Conflans, tous deux gendres de madame de Jussac, dont j'ai parlé ailleurs, et du bailli de Conflans avec la petite terre de Cuiseux qu'ils ont encore, et les sœurs du chancelier ont été mariées longtemps avant qu'il le fût, la cadette à monsieur le Guerchois, mort conseiller d'État sans enfant, l'autre à monsieur de Tavannes, père et mère de monsieur de Tavannes, lieutenant général et commandant en Bourgogne et chevalier de l'ordre, et de l'archevêque de Rouen, grand aumônier de la reine, ci-devant évêque comte de Châlons, dont par brevet il a conservé le rang. D'Aguesseau, de taille médiocre, fut gros, avec un visage fort plein et agréable jusqu'à sa dernière disgrâce, et toujours avec une physionomie sage et spirituelle, un œil pourtant bien plus petit que l'autre. Il est remarquable qu'il n'a jamais eu voix délibérative avant d'être chancelier, et qu'on se piquait volontiers au Parlement de ne pas suivre ses conclusions, par une jalousie de l'éclat et de la réputation qu'il avait acquise, qui prévalait à l'estime et à l'amitié. Beaucoup d'esprit, d'application, de pénétration, de savoir en tout genre, de gravité et de magistrature, d'équité et de piété, et d'innocence de mœurs firent le fond de son caractère. On peut dire que c'était un bel esprit et un homme incorruptible, si l'on excepte l'affaire des bouillons qui a été racontée. Avec cela, doux, bon, humain, d'un accès facile et agréable, et dans le particulier de la gaieté et de la plaisanterie salée, mais sans jamais blesser personne. Extrêmement sobre, poli sans orgueil et noble sans la moindre avarice. Naturellement paresseux dont il lui est resté de la lenteur. Qui ne croirait qu'un magistrat orné de tant de vertus et de talents, dont la mémoire, la vaste lecture, l'éloquence à parler et à écrire, la justesse jusque dans les moindres expressions des conversations les plus communes, avec les grâces de la facilité, n'eût été le plus grand chancelier qu'on eût vu depuis plusieurs siècles. Il est vrai qu'il aurait été un premier président sublime. Il ne l'est pas moins que, devenu chancelier, il fit regretter jusqu'aux Aligres et aux Boucherats. Ce paradoxe est difficile à comprendre. Il se voit pourtant à l'œil depuis 30 ans qu'il est chancelier, et avec tant d'évidence que je pourrais m'en tenir là. Mais un fait si étrange mérite d'être développé. Un si heureux assemblage était gâté par divers endroits qui étaient demeurés cachés dans sa première vie et qui éclatèrent tout à la fois sitôt qu'il fut parvenu à la seconde. La longue et unique nourriture qu'il avait prise dans le sein du Parlement l'avait pétri de ses maximes et de toutes ses prétentions, jusqu'à le regarder avec plus d'amour, de respect et de vénération que les Anglais n'en ont pour leur Parlement, qui n'ont de commun que le nom avec les nôtres. Et je ne dirai pas trop quand j'avancerai qu'il ne regardait pas autrement tout ce qui émanait de cette compagnie, qu'un fidèle bien instruit de sa religion regarde les décisions sur la foi des conciles écuméniques. De cette sorte de culte naissaient trois extrêmes défauts qui se rencontraient très fréquemment. Le premier, qu'il était toujours pour le Parlement, quoi qu'il pût entreprendre contre l'autorité royale, ou d'ailleurs au-delà de la sienne, tandis que son office, qui le rendait le supérieur et le modérateur des parlements, et la bouche du roi à leur égard, l'obligeait à le contenir quand il passait ses bornes, surtout à lui imposer avec fermeté quand il attentait à l'autorité du roi. Son équité et ses lumières lui montraient bien l'égarement du parlement à chaque fois qu'il s'y jetait, mais de le réprimer était plus fort que lui. Sa mollesse, secondée de cette sorte de culte dont il l'honorait, était peinée, affligée de le voir en faute. Mais de le laisser voir qu'il fût tombé était un crime à ses yeux, dont il gémissait de voir souiller les autres et dont il ne pouvait se souiller lui-même.
Il mettait donc tous ses talents à pallier, à couvrir, à excuser, à donner des interprétations captieuses, à éblouir sur les fautes du Parlement, à négocier avec lui d'une part, avec le régent d'autre, à profiter de sa timidité, de sa facilité, de sa légèreté pour tout émousser, tout énerver en lui, en sorte qu'au lieu d'avoir en ce premier magistrat un ferme soutien de l'autorité royale et un vrai juge des justices, on en tirait à peine quelques bégaiements forcés qui affaiblissaient encore le peu à quoi il avait pu se résoudre à peine et qui donnaient courage, force et hauteur au Parlement. Et si quelquefois il s'est expliqué avec lui en d'autres termes, ce n'était qu'après un long combat et toujours bien plus faiblement qu'il n'était convenu de le faire. Un second inconvénient était à l'extension de ce culte particulier du Parlement à tout ce qui portait robe, je dis jusqu'à des officiers de bailliage royaux. Tout homme portant robe devait selon lui imposer le dernier respect. Quoi qu'on fît, on ne pouvait s'en plaindre qu'avec la dernière circonspection. Les plaintes n'étaient pas écoutées sans de longues preuves juridiquement ordonnées. Avec cela même, elles étaient rejetées avec grand dommage pour le plaignant, si grand qu'il fût, si elles n'étaient appuyées de la dernière évidence. Alors cela lui paraissait bien fâcheux. Il se tournait tout entier à sauver l'honneur de la robe, comme si la robe en général était déshonorée parce qu'un fripon en était revêtu pour son argent. Il proposait des compositions, des accommodements, et si les plaignants étaient d'une certaine espèce, des désistements pour s'en rapporter à lui. Enfin, il avait recours à des longueurs ruineuses qui pouvaient équivaler à des dénis de justice, et toujours l'homme de robe en sortait au meilleur marché, et surtout le plus blanc qu'il pouvait et le plus légèrement tensé. Dans cet esprit, il ne comprenait pas comment on pouvait se porter à casser un arrêt du Parlement. Il employait pour l'éviter tous les mêmes manèges, et ce n'était qu'après la plus belle défense qu'il souffrait que l'affaire fût portée au bureau des cassations. Ce bureau, composé par lui comme tous les autres du Conseil, n'ignorait pas son extrême répugnance. On peut croire qu'il savait la ménager et qu'il fallait des raisons bien claires pour les engager à porter la cassation au Conseil qui, à son tour, n'avait pas moins de ménagement que le bureau. Si malgré tout cela l'évidence l'entraînait, le chancelier, qui ne pouvait se résoudre à prononcer le blasphème de casser, inventa le premier une autre formule et prononçait que l'arrêt serait comme non avenu. Encore n'était-ce pas sans quelque péroraison de défense ou de gémissement. Or, on voit que cela attaque clairement la justice distributive. Un autre mal sorti de la même source, c'était un attachement aux formes et jusqu'aux plus petites, si littérales, si précises, si serviles, que toute autre considération, même la plus évidente justice, disparaissait à ses yeux devant la plus petite formalité. Il y était tellement attaché, comme à l'âme et à la perpétuité des procès, qui sont la source de l'autorité et des biens de la robe, qu'il ne tint pas à lui qu'il ne les introduisit au Conseil des dépêches, où jamais on en avait ouï parler, bien loin de s'y arrêter. L'absurdité était manifeste. Ce Conseil n'est établi que pour purger les différends qui ne peuvent rouler sur des formes, ou des procès qu'il plaît au roi d'évoquer à sa personne et qu'il juge lui tout seul parce que là, ceux qui en sont n'ont que voix consultative. Il faudrait donc que le roi fût instruit de la forme comme un procureur ou qu'il jugeât à l'aveugle sur celle des gens qui la sauraient. Or, ces gens-là l'ignorent, comme nous l'ignorions tous, ou l'ont oublié, comme les secrétaires d'État qui y rapportent, ou du moins qui y opinent quand y entre un autre rapporteur, et qui n'ont ni le temps ni la volonté de les apprendre. Le chancelier fit en deux ou trois occasions la tentative d'alléguer les formes au Conseil de dépêche, quoique bien avec lui, je l'interrompis autant de fois, je combattis sa tentative et à chaque fois elle demeura inutile, avec un grand regret de sa part qu'il montra fort franchement. Le long usage du parquet lui avait gâté l'esprit. Il était entendu et lumineux et orné d'une grande lecture et d'un profond savoir.
L'état du parquet est de ramasser, d'examiner, de peser et de comparer les raisons des deux et des différentes parties, car il y en a souvent plusieurs au même procès, et d'étaler cette espèce de bilan, pour m'exprimer ainsi, avec toutes les grâces et les fleurs de l'éloquence devant les juges, avec tant d'art et d'exactitude, qu'il ne soit rien oublié d'aucune part, et qu'aucun des nombreux auditeurs ne puisse augurer de quel avis l'avocat général sera avant qu'il ait commencé à conclure. Quoique le procureur général, qui ne donne ses conclusions que par écrit, ne soit pas exposé au même étalage, il est obligé au même examen, à la même comparaison, au même bilan dans son cabinet avant de se déterminer à conclure. Cette continuelle habitude pendant 24 années à un esprit scrupuleux en équité et en forme, fécond en vue, savant en droit, en arrêt, en différentes coutumes, l'avait formé à une certitude dont il ne pouvait sortir et qui, lorsqu'il n'était point nécessairement pressé par quelques limites fixes, prolongeait les affaires à l'infini. Il en souffrait le premier, c'était pour lui un accouchement que de se déterminer. Mais malheur à qui était dans le cas de l'attendre. S'il était pressé, par exemple, par un conseil de régence où une affaire se devait juger à jour pris, il flottait, errant, jusqu'au moment d'opiner, étant de la meilleure foi jusque-là, tantôt d'un avis, tantôt de l'avis contraire, et opinait après, quand son tour arrivait, comme il lui venait à cet instant. J'en rapporterai en son lieu un exemple singulier entre mille autres. Sa lenteur et son irrésolution s'accordaient merveilleusement à ne rien finir. Un autre défaut y contribuait encore, c'était qu'il était le père des difficultés. Tant de choses diverses se présentaient à son esprit qu'elles l'arrêtaient. Je l'ai dit du duc de Chevreuse, je le répète ici de ce chancelier, il coupait un cheveu en quatre. Aussi était-il fort admis. Ce n'était pas qu'il n'eût l'esprit fort juste, mais la moindre difficulté l'embarrassait et il en cherchait partout avec le même soin que d'autres en mettaient à l'élever. Ses meilleurs amis, les affaires qu'il affectionnait, n'en étaient pas plus exempts que les autres, et ce goût des difficultés devint une plaie pour tout ce qui pouvait passer par ses mains. La vieille duchesse d'Estrée-Vaubrun, qui brillait d'esprit et qui était intimement de ses amis, fut un jour pressée de lui parler pour quelqu'un. Elle s'en défendait par la connaissance qu'elle avait de ce terrain si raboteux. « Mais, madame, lui dit ce client, il est votre ami intime ?»« Il est vrai, répondit-elle, il faut donc vous dire quel est monsieur le chancelier. C'est un ami travesti en ennemi. » La définition était fort juste. À tant de défauts essentiels qui pourtant ne venaient pour la plupart que de trop de lumière et de vue, de trop d'habitude du parquet, de la nourriture qu'il avait uniquement prise dans le Parlement et qui, bien loin d'attaquer l'honneur et la probité, n'était grossie que par la délicatesse de conscience, il s'en joignait d'autres qui ne venaient que de sa lenteur naturelle et de trop d'attachement à bien faire. Il ne pouvait finir à tourner une déclaration, un règlement, une lettre d'affaires, tant soit peu importante. Il les limait et les retouchait sans cesse. Il était esclave de la plus exacte pureté de diction et ne s'apercevait pas que cette servitude le rendait souvent très obscur et quelquefois inintelligible. Son goût pour les sciences couronnait tous ses inconvénients. Il aimait les langues sur toutes les savantes et se plaisait infiniment à toutes les parties de la physique et de la mathématique. Il ne laissait pas encore d'être métaphysicien. Il avait pour toutes ses sciences beaucoup d'ouverture et de talent. Il aimait à les creuser et à faire chez lui, à huis clos, des exercices sur ses différentes sciences avec ses enfants et quelques savants obscurs. Ils y prenaient des points de recherche pour l'exercice suivant, et cette sorte d'étude lui faisait perdre un temps infini et désespérait ceux qui avaient affaire à lui, qui allaient 10 fois chez lui sans pouvoir le joindre à travers les fonctions de son office et les amusements de son goût. C'était précisément pour les sciences qu'il était né. Il est vrai qu'il eût été un excellent premier président, mais à quoi il eût été le plus propre, c'eût été d'être uniquement à la tête de toute la littérature, des académies, de l'observatoire, du collège royal, de la librairie, et c'est où il aurait excellé. Sa lenteur, sans incommoder personne, et ses faciles difficultés, n'aurait servi qu'à éclaircir les matières, et son incertitude, indépendante alors de la conscience, n'eût tendu qu'à la même fin. Il n'aurait eu affaire qu'à des gens de lettres et point au monde qu'il ne connut jamais, et donc, à la politesse près, il n'avait aucun usage. Il serait demeuré éloigné du gouvernement et des matières d'État,
où il fut toujours étranger jusqu'à surprendre par une ineptie si peu compatible avec tant d'esprit et de lumière. En voilà beaucoup, mais encore un coup de pinceau. Le duc de Gramont l'aîné, qui avait beaucoup d'esprit, m'a conté que, se trouvant un matin dans le cabinet du roi à Versailles, tandis que le roi était à la messe, en tête à tête avec le chancelier, il lui demanda dans la conversation si, depuis qu'il était chancelier, avec le grand usage qu'il avait des chicanes et de la longueur des procès, il n'avait jamais pensé à faire un règlement là-dessus qui les abrégea et en arrêta les friponneries. Le chancelier lui répondit qu'il y avait si bien pensé qu'il avait commencé à en jeter un règlement sur le papier, mais qu'en avançant, il avait réfléchi au grand nombre d'avocats, de procureurs, d'huissiers que ce règlement ruinerait et que la compassion qu'il avait eue lui avait fait tomber la plume de la main. Pour la même raison, il ne faudrait ni prévôt ni archer qui arrêtent les voleurs et qui les mettent en chemin certains du supplice, dont par cette raison la compassion doit être encore plus grande. Et en deux mots, c'est que la durée et le nombre des procès fait toute la richesse et l'autorité de la robe et que par conséquent, il faut les laisser pulluler et s'éterniser. Voilà un long article, mais je l'ai cru d'autant plus curieux qu'il fait mieux connaître comment un homme de tant de droiture, de talent, de réputation, est peu à peu parvenu, par être sorti de son centre, à rendre sa droiture équivoque, ses talents pire qu'inutiles, à perdre toute sa réputation et à devenir le jouet de la fortune. La marquise d'Allègre, femme tout mystère. Il y avait quelque temps que j'étais dans un commerce secret et encore plus obscur, qui, voulant me mettre le doigt sur la lettre, m'en montrait assez pour me faire voir en gros de dangereuses cabales et me faisait une énigme suivie de tout ce qui ne m'en pouvait éclaircir. Madame d'Allègre, dont le mari a été longtemps depuis maréchal de France, m'envoya un prêtre un matin me demander chez moi une audience fort secrète et me prier surtout de ne point aller chez elle. Je ne la connaissais en façon du monde et je n'avais jamais été en aucun commerce avec son mari. L'aventure me parut fort singulière. Aussi, cette femme l'était-elle beaucoup. J'en ai parlé assez pour la faire connaître à l'occasion du mariage de sa fille, Madame de Barbanzieux, et des suites de ce mariage. Madame d'Allègre vint donc chez moi à l'heure marquée. Ce fut d'abord des compliments sans fin et des louanges merveilleuses. Je répondais courtement et voulais venir au fait, mais je reconnus bientôt que l'embarras d'y entrer multipliait la préface. De là, elle vint aux louanges de Monsieur le duc d'Orléans, à celle de mon attachement pour lui, à la Constitution, au gouvernement. Elle épuisa tous les entours et les environs avec une impatience de ma part inexprimable. Enfin, elle se mit sur le ton des oracles, serrant la bouche, tournant les yeux, accommodant sa coiffe, frottant son manchon, tantôt me regardant me pénétrer, puis baissant les yeux et jouant de l'éventail, disant deux mots coupés et laissant le sang suspendu, tombant dans un morne silence. Ce manège fut constant dans toutes les visites que j'en reçus depuis et qui furent assez fréquentes pendant 4 ou 5 mois. Enfin, elle me fit entendre qu'il se brassait beaucoup de choses très importantes contre M. le duc d'Orléans et contre son gouvernement, qu'elle n'en pouvait douter, et sans rien spécifier ni nommer lieux ou gens, elle ne cessait d'appuyer sur la certitude de ses connaissances et de m'exhorter d'y prendre garde et d'avertir M. le duc d'Orléans, pour qui elle me dit merveille de son attachement et de l'obligation qu'elle se croyait en conscience de venir à moi par mon attachement pour lui et la confiance qu'il avait en moi. J'eus beau lui dire que, dans les avis qu'elle avait la bonté de me donner, je ne voyais qu'une inquiétude inutile à prendre, sans aucune lumière qui pût conduire aux précautions nécessaires, je n'en pus jamais tirer davantage, sinon qu'elle me reverrait quelquefois avec le même mystère, qu'elle verrait quand et comment elle pourrait m'en dire davantage, revint à appuyer la certitude de ses connaissances, revint aux compliments et aux protestations, et surtout exigea le plus entier secret de M. le duc d'Orléans et de moi, et que je n'allasse jamais ses ailes, parce que le moindre soupçon qu'on aurait d'elle la perdrait. Tout ce verbiage dura près de 2 heures, et le mystère fut poussé jusqu'à exiger que je fermerais la porte de mon cabinet sur elle, sans la conduire un pas.
Je savais bien qu'il se brassait quelque chose en Bretagne où les États n'étaient point encore assemblés, mais Madame d'Allègre était de Toulouse, son mari d'Auvergne, je ne leur voyais point d'entour breton. Sa singularité, sa vie dévote et assez retirée, son esprit, car elle en avait, qui passait pour tourner à la chimère, me fit soupçonner qu'elle cherchait à intriguer. Je ne fis donc pas grand cas de tout ce qu'elle me dit, et comme il n'y eut rien que de fort vague, je ne crus pas en devoir l'armée le régent. Après l'éclat des États de Bretagne, elle revint, me dit qu'elle était bien informée d'avance de ce qui venait d'arriver, et encore par quel ressort. Que le régent se trompait s'il pensait que l'affaire fût finie, et que les prétentions des États en fussent l'objet, et me prenant les mains et les appuyant sur mes genoux avec des roulis d'yeux, « Tout cela, monsieur, assurez-vous-en bien et ne laissez pas ignorer au régent, n'est que le chausse-pied, vous en verrez bien d'autres, mais, et, car, et d'autres mots coupés, comme une femme qui sait et qui se retient, et tout de suite se lève pour s'en aller. J'ai beau faire, je n'en puis rien tirer de plus. » En passant la porte, « Il n'est pas temps encore, me dit-elle, mais je vous reverrai. Mais ne vous endormez pas, ni monsieur le duc d'Orléans. » En disant cela, elle ferme la porte et s'en va. Le lit de justice d'août 1718. Le premier acte fini, le second fut annoncé par le discours du garde des Sceaux, dont la force pénétra tout le Parlement. Une consternation générale se répandit sur tous les visages. Presque autant de tant de membres n'osa parler à son voisin. Je remarquai seulement que l'abbé Pucel, qui, bien que conseiller clair, était dans les bancs vis-à-vis de moi, fut toujours debout toutes les fois que le garde des Sceaux parla pour mieux entendre. Une douleur amère et qu'on voyait pleine de dépit obscurcit le visage du premier président. La honte et la confusion s'y peignirent. Ce que le jargon du palais appelle le grand banc, pour encenser les mortiers qu'il occupe, baissa la tête à la fois comme un signal, et bien que le garde des Sceaux ménagea le ton de sa voix pour ne la rendre qu'intelligible, il le fit pourtant en telle sorte qu'on ne perdit dans toute l'assemblée aucune de ses paroles, dont aussi n'y eut-il aucune qui ne porta. Ce fut bien pis à la lecture de la déclaration. Chaque période semblait redoubler tout à la fois l'attention et la désolation de tous les officiers du Parlement, et ces magistrats, si altiers, dont les remontrances superbes ne satisfaisaient pas encore l'orgueil et l'ambition, frappés d'un châtiment si fort et si public, se virent ramenés au vrai de leur état par cette ignominie, sans être plaints que de leur petite cabale. D'exprimer ce qu'un seul coup d'œil rendit dans ces moments si curieux, c'est ce qu'il est impossible de faire, et si j'eus la satisfaction que rien ne m'échappa, j'ai la douleur de ne pouvoir rendre. La présence d'esprit de Blanc-Mesnil me surprit au dernier point. Il parla sur chaque chose où son ministère le requit, avec une contenance modeste et sagement embarrassée, sans être moins maître de son discours, aussi délicatement ménagé que s'il eût été préparé. Après les opinions, comme le garde des Sceaux eut prononcé, je vis ce prétendu grand banc s'émouvoir. C'était le premier président qui voulait parler et faire la remontrance qui apparut pleine de malice la plus raffinée, d'impudence à l'égard du régent et d'insolence pour le roi. Le scélérat tremblait toutefois en la prononçant. Sa voix entrecoupée, la contrainte de ses yeux, le saisissement et le trouble visible de toute sa personne démentaient ce reste de venin dont il ne put refuser la libation à lui-même et à sa compagnie. Ce fut là où je savourai, avec tous les délices qu'on ne peut exprimer, le spectacle de ces fiers légistes qui osent nous refuser le salut, prosterner à genoux et rendre à nos pieds un hommage au trône, tandis qu'assis et couverts sur les hauts sièges, aux côtés du même trône, ces situations et ces postures si grandement disproportionnées plaident seules, avec tout le perçant de l'évidence, la cause de ceux qui, véritablement et des faits, sont latérales regis contre ce vaste electum du tiers état. Mes yeux fichés, collés sur ces bourgeois superbes, parcouraient tout ce grand banc à genoux ou debout, et les amples replis de ces fourrures ondoyantes à chaque génuflexion longue et redoublée, qui ne finissaient que par le commandement du roi, par la bouche du garde des Sceaux.
vil petit gris qui voudrait contrefaire l'hermine en peinture, et s'était découverte et humiliée à la hauteur de nos pieds. La remontrance finie, le garde des Sceaux monta au roi, puis, sans reprendre aucun avis, se remit en place, jeta les yeux sur le premier président et prononça « Le roi veut être obéi et obéi sur le champ ». Ce grand mot fut un coup de foudre qui atterra président et conseiller de la façon la plus marquée. Tous baissèrent la tête et la plupart furent longtemps sans la relever. Le reste des spectateurs, excepté le maréchal de France, parurent peu sensibles à cette désolation. Mais ce ne fut rien que ce triomphe ordinaire en comparaison de celui qu'il allait suivre immédiatement. Le garde des Sceaux ayant, par ce dernier prononcé, terminé ce second acte, il passa au troisième. Lorsqu'il repassa devant moi, venant d'achever de prendre l'avis des pairs sur l'arrêt concernant le Parlement, je l'avais averti de ne prendre point leur avis sur l'affaire qui allait suivre, et il m'avait répondu qu'il ne la prendrait pas. C'était une précaution que j'avais prise contre la distraction à cet égard. Après quelques moments d'intervalle, depuis la dernière prononciation sur le Parlement, le garde des Sceaux remonta au roi et, remis en place, y demeura encore quelques instants en silence. Alors tout le monde vit bien que, l'affaire du Parlement étant achevée, il y allait en avoir une autre. Chacun, en suspens, tâchait à la prévenir par la pensée. On a su depuis que tout le Parlement s'attendit à la décision du bonnet en notre faveur, et j'expliquerai après pourquoi il n'en fut pas mention. D'autres, avertis par leurs yeux de l'absence des bâtards, jugèrent plus juste qu'il allait s'agir de quelque chose qui les regardait. Mais personne ne devina quoi, beaucoup moins toute l'étendue. Enfin, le garde des Sceaux ouvrit la bouche et, dès la première période, il annonça la chute d'un des frères et la conservation de l'autre. L'effet de cette période sur tous les visages fut inexprimable. Quelque occupé que je fusse à contenir les miens, je n'en perdis pourtant aucune chose. L'étonnement prévalut aux autres passions. Beaucoup parurent aisés, soit équité, soit haine pour le duc de Maine, soit affection pour le comte de Toulouse. Plusieurs consternés. Le premier président perdit toute contenance. Son visage, si suffisant et si audacieux, fut saisi d'un mouvement convulsif. L'excès seul de sa rage le préserva de l'évanouissement. Ce fut bien pis à la lecture de la déclaration. Chaque mot était législatif et portait une chute nouvelle. L'attention était générale, tenait chacun immobile pour n'en pas perdre un mot et les yeux sur le greffier qui lisait. Vers le tiers de cette lecture, le premier président, grinçant le peu de dents qui lui restait, se laissa tomber le front sur son bâton qu'il tenait à deux mains, et en cette singulière posture et si marquée, acheva d'entendre cette lecture si accablante pour lui, si résurrective pour nous. Moi cependant, je me mourais de joie. J'en étais à craindre la défaillance. Mon cœur, dilaté à l'excès, ne trouvait plus d'espace à s'étendre. La violence que je me faisais pour ne rien laisser échapper était infinie, et néanmoins ce tourment était délicieux. Je comparais les années et les temps de servitude, les jours funestes où, traîné au Parlement en victime, j'y avais servi de triomphe aux bâtards plusieurs fois, les divers degrés par lesquels ils étaient montés à ce comble sur nos têtes. Je les comparais, dis-je, à ce jour de justice et de règles, à cette chute épouvantable qui, du même coup, nous relevait par la force du ressort. Je repassais avec le plus puissant charme ce que j'avais osé annoncer au duc de Maine le jour du scandale du bonnet sous le despotisme de son père. Mes yeux voyaient enfin les faits et l'accomplissement de cette menace. Je me devais, je me remerciais de tout ce que c'était par moi qu'elle s'effectuait. J'en considérais la rayonnante splendeur en présence du roi et d'une assemblée si auguste. Je triomphais, je me vengeais, je nageais dans ma vengeance. Je jouissais du plein accomplissement des désirs les plus véhéments et les plus continus de toute ma vie. J'étais tenté de ne plus me soucier de rien. Toutefois, je ne laissais pas d'entendre cette vivifiante lecture dont tous les mots résonnaient sur mon cœur comme l'archet sur un instrument et d'examiner en même temps les impressions différentes qu'elle faisait sur chacun. Au premier mot que le garde des Sceaux dit de cette affaire, les yeux des deux évêques pères rencontrèrent les miens. Jamais je n'ai vu surprise pareille à la leur, ni un transport de joie si marqué.
Je n'avais pu les préparer à cause de l'éloignement de nos places et il ne put résister au mouvement qui les saisit subitement. J'avalais par les yeux un délicieux trait de leur joie et je détournais les miens des leurs de peur de succomber à ce surcroît et je n'osais plus les regarder. Cette lecture achevée, l'autre déclaration en faveur du comte de Toulouse fut commencée tout de suite par le greffier, suivant le commandement que lui en avait fait le garde des Sceaux et en les lui donnant toutes deux ensemble. Elle sembla achevée de confondre le premier président et les amis du duc de Maine par le contraste des deux frères. Celle-ci surprit, plus que pas une et qui n'était pas au fait, la différence était inintelligible. Les amis du comte de Toulouse, ravis, les indifférents bien aises de son exception, mais la trouvant sans fondement et sans justice. Je remarquai des mouvements très divers et plus d'aisance à se parler les uns aux autres pendant cette lecture, à laquelle néanmoins on fut très attentif. Les importantes clauses du consentement des princes de sang et de la réquisition des pairs de France réveillaient l'application générale et firent lever le nez au premier président de dessus son bâton qui s'y était remis. Quelques pairs même, excités par M. de Metz, grommelèrent entre leurs dents, chagrin à ce qu'ils expliquèrent à leurs confrères voisins de n'avoir pas été consultés en assemblée générale sur un fait de cette importance sur lequel néanmoins on les faisait parler et requérir. Mais quel moyen d'hasarder un secret de cette nature dans une assemblée de pairs de tous âges, pour n'en rien dire de plus, encore moins d'y en discuter les raisons. Le très peu de ceux qui en furent choqués alléguèrent que ceux de la régence avaient apparemment répondu pour les autres sans mission, et cette petite jalousie les piquait peut-être autant que la conservation du rang, etc., du comte de Toulouse. Cela fut apaisé aussitôt que né, mais rien en ce monde sans quelques contradictions. Après que l'avocat général eut parlé, le garde des Sceaux monta au roi, prit l'avis des princes de sang, puis vint au duc de Sully et à moi. Heureusement, j'eus plus de mémoire qu'il n'en eut ou qu'il n'en voulut avoir. Aussi était-ce mon affaire. Je lui présentai mon chapeau à bouquet de plumes au devant et d'une façon très marquée, en lui disant très haut « Non, monsieur, nous ne pouvons être juges, nous sommes partis et nous n'avons qu'à rendre grâce au roi de la justice qu'il veut bien nous faire. » Il sourit et me fit excuse. Je le repoussai avant que le duc de Sully eût loisir d'ouvrir la bouche et, regardant aussitôt de part et d'autre, je vis avec plaisir que ce refus d'opiner avait été remarqué de tout le monde. Le garde des Sceaux retourna tout court sur ses pas et, sans prendre l'avis des pairs en place de service, ni des deux évêques pairs, fut au maréchal de France, puis descendu au premier président et présidents à Mortier, puis alla au reste des bas sièges. Après quoi, remonté au roi et redescendu en place, il prononça l'arrêt enregistrement et mit le dernier comble à ma joie. Aussitôt après, monsieur le duc se leva, et après avoir fait la révérence au roi, il oublia de s'asseoir et de se couvrir pour parler, suivant le droit et l'usage non interrompu des pairs de France. Aussi ne nous levâmes-nous pas un. Il fit donc debout et découvert le discours qui apparut imprimé à la suite du discours précédent, et le lut peu intelligiblement parce que l'organe n'était pas favorable. Dès qu'il eut fini, monsieur le duc d'Orléans se leva et commit la même faute. Il dit donc aussi, debout et découvert, que la demande de monsieur le duc lui paraissait juste, et après quelques louanges, ajouta que présentement monsieur le duc de Maine se trouvait en son rang d'ancienneté de Péry, monsieur le maréchal de Villeroy, son ancien, ne pouvait plus demeurer sous lui, ce qui était une nouvelle et très forte raison, outre celle que monsieur le duc avait alléguée. Cette demande avait porté au dernier comble de l'étonnement toute l'assemblée, au désespoir du premier président et de ce peu de gens qui, à leur déconcertement, paraissaient s'intéresser au duc de Maine. Le maréchal de Villeroy, sans sourciller, fit toujours mauvaise mine et les yeux du premier écuyer s'inondèrent souvent de larmes. Je ne pus bien distinguer le maintien de son cousin et ami intime, le maréchal d'Uxelles, qui se mit à l'abri des vastes bords de son chapeau enfoncé sur ses yeux et qui d'ailleurs ne branla pas. Le premier président, assommé de ce dernier coup de foudre, se démonta le visage à vif et je crus un moment son menton tomber sur ses genoux.
Cependant, le garde des Sceaux, ayant dit aux gens du roi de parler, ils répondirent qu'ils n'avaient pas ouï la proposition de monsieur le duc, sur quoi, de main en main, on leur envoya son papier, pendant quoi le garde des Sceaux répéta fort haut ce que le régent avait ajouté sur l'ancienneté de Péry du maréchal de Villeroy au-dessus du duc de Maine. Blanc-Mesnil ne fit que jeter les yeux sur le papier de monsieur le duc et parla. Après quoi le garde des Sceaux fut aux voix. Je donnai la mienne assez haut et dis « Pour cette affaire-ci, monsieur, j'y opine de bon cœur à donner la surintendance et l'éducation du roi à monsieur le duc. » La prononciation faite, le garde des Sceaux appela le greffier en chef, lui ordonna d'apporter ses papiers et son petit bureau près du sien pour faire tout présentement et tout de suite et en présence du roi tous les enregistrements de tout ce qui venait d'être lu et ordonné, et de les signer. Cela se fit sans difficulté aucune, dans toutes les formes, sous les yeux du garde des Sceaux, qui ne les levait pas de dessus. Mais comme il y avait 5 ou 6 pièces à enregistrer, ce fut long à faire. J'avais observé le roi lorsqu'il fut question de son éducation. Je ne remarquai en lui aucune sorte d'altération, de changement, pas même de contrainte. Ça avait été le dernier acte du spectacle. Il en était tout frais lorsque les enregistrements s'écrivirent. Cependant, comme il n'y avait plus de discours qui occupasse, il se mit à rire avec ceux qui se trouvèrent à portée de lui, à s'amuser de tout, jusqu'à remarquer que le duc de Louvigny, quoique assez éloigné de son trône, avait un habit de velours, à se moquer de la chaleur qu'il en avait, et tout cela avec grâce. Cette indifférence pour M. Dumaine frappa tout le monde et démentit publiquement ce que ses partisans essayèrent de répandre, que les yeux lui avaient rougi, mais que ni au lit de justice ni depuis n'en avait osé rien témoigner. Or, dans la vérité, il eut toujours les yeux secs et sereins et il ne prononça le nom du duc Dumaine qu'une seule fois depuis, qui fut l'après-dîner du même jour, qu'il demanda où il allait d'un air très indifférent, sans rien en dire davantage ni depuis, ni nommer ses enfants. Aussi ceux-ci ne prenaient guère la peine de le voir, et quand ils y allaient, c'était pour avoir jusqu'en sa présence leur petite cour à part et se divertir entre eux. Pour le duc de Maine, soit politique, soit qu'il crût qu'il n'en était pas encore temps, il ne le voyait que les matins, quelque temps à son lit, et plus du tout de la journée, hors les fonctions d'apparat. Pendant l'enregistrement, je promenais mes yeux doucement de toutes parts, et si je les contraignis avec constance, je ne pus résister à la tentation de m'en dédommager sur le premier président. Je l'accablais donc à 100 reprises dans la séance de mes regards assonnés et fort longés avec persévérance. L'insulte, le mépris, le dédain, le triomphe lui furent lancés de mes yeux jusqu'en ses moelles. Souvent, il baissait la vue quand il attrapait mes regards. Une fois ou deux, il fixa le sien sur moi et je me plus à l'outrager par des sourires dérobés, mais noirs, qui achevèrent de le confondre. Je me baignais dans sa rage et je me délectais à le lui faire sentir. Je me jouais de lui quelquefois avec mes deux voisins, en le leur montrant d'un clin d'œil quand ils pouvaient s'en apercevoir. En un mot, je m'espaçais sur lui sans ménagement aucun, autant qu'il me fut possible. Enfin, les enregistrements achevés, le roi descendit de son trône et dans les bas-sièges par son petit degré, derrière la chaire du garde des Sceaux, suivi du régent et des deux princes de sang et des seigneurs de sa suite nécessaire. En même temps, les maréchaux de France descendirent par le bout de leur haut siège, et tandis que le roi traversait le parquet, accompagné de la députation qui avait été de le recevoir, ils passèrent entre les bancs des conseillers vis-à-vis de nous pour se mettre à la suite du roi, à la porte de la séance par laquelle Sa Majesté sortit comme elle y était entrée. En même temps aussi, les deux évêques pères, passant devant le trône, vinrent se mettre en notre tête et me serrèrent les mains et la tête, et passant devant moi avec une vive conjouissance. Nous les suivîmes, reployant deux à deux le long de nos bancs, les anciens les premiers, et descendus des hauts sièges par le degré du bout, nous continuâmes tout droit et sortîmes par la porte vis-à-vis. Le Parlement se mit après en marche et sortit par l'autre porte, qui était celle par où nous étions entrés séparément et par où le roi était entré et sorti. On nous fit faire place jusqu'au dernier degré.
La foule, le monde, le spectacle resserrèrent nos discours et notre joie. J'en étais navré. Je gagnai aussitôt mon carrosse que je trouvais sous ma main et qui me sortit très heureusement de la cour, en sorte que je n'eus point d'embarras et que de la séance chez moi, je ne mis pas un quart d'heure. J'oublie qu'un peu devant que nous sortissions du cabinet du conseil pour le lit de justice, raisonnant à part, monsieur le duc d'Orléans, monsieur le duc et moi, il convint de se trouver ensemble avec le garde des Sceaux au palais royal, au sortir du lit de justice, et me proposèrent d'y aller. J'y résistai un peu, mais ils le voulurent pour raisonner sur ce qui se serait passé. Comme je vis qu'il ne s'était rien ému ni entrepris, je me cris libre de cette conférence, bien aise aussi de n'ajouter pas cette preuve de plus que j'avais été d'un secret qui n'était pas sans envie. Entrant chez moi sur les 2h30, je trouvai au bas du degré le duc d'Humières, Louville et toute ma famille, jusqu'à ma mère, que la curiosité arrachait à sa chambre d'où elle n'était pas sortie depuis l'entrée de l'hiver. Nous demeurâmes en bas dans mon appartement où, en changeant d'habit et de chemise, je répondis à leurs questions empressées lorsqu'on vint m'annoncer M. de Biron qui força ma porte que j'avais défendue pour me reposer un peu en liberté. Biron mit la tête dans mon cabinet et me pria qu'il me pût dire un mot. Je passai de Mirabillé dans ma chambre avec lui. Il me dit que M. le duc d'Orléans s'attendait que j'irais au palais royal tout droit des Tuileries, que je le lui avais promis, et qu'il avait été surpris de ne m'y point voir, que néanmoins il n'avait pas grand mal, et qu'il n'avait été qu'un moment avec M. le duc et le garde des Sceaux, que son Altesse royale lui avait ordonné de me venir dire d'aller tout présentement au palais royal pour quelque chose qu'elle désirait que je fisse. Je demandai à Biron s'il savait de quoi il s'agissait. Il me répondit que c'était pour aller à Saint-Cloud, annoncer de sa part la nouvelle à Madame la Duchesse d'Orléans. Ce fut pour moi un coup de foudre. Je disputai avec Biron, qui convint avec moi de la douleur de cette commission, mais qui m'exhorta à ne pas perdre de temps et aller au palais royal où j'étais attendu avec impatience. Il ajouta que c'était une confiance pénible, mais que M. le duc d'Orléans lui avait dit de ne pouvoir prendre qu'en moi, et le lui avait dit de manière à ne lui pas laisser d'espérance de m'en excuser, ni de grâce à le faire avec trop d'obstination. Je rentrai avec lui dans mon cabinet, si changé, que Madame de Saint-Simon s'écria et crut qu'il était arrivé quelque chose de sinistre. Je leur dis ce que je venais d'apprendre, et après que Biron eut causé un moment, et m'eut encore pressé d'aller promptement et exhorter l'obéissance, il s'en alla dîner. Le nôtre était servi. Je demeurai un peu à me remettre du premier étourdissement, et je conclus à ne pas opiniâtrer M. le duc d'Orléans par ma lenteur à faire ce qu'il voulait absolument, en même temps n'oublier rien pour détourner de moi un message si dur et si pénible. J'avalais du potage et un œuf et m'en allai au palais royal. Je trouvai M. le duc d'Orléans seul dans son grand cabinet qui m'attendait avec impatience et qui se promenait à grands pas. Dès que je parus, il vint à moi et me demanda si je n'avais pas vu Biron. Je lui dis que oui et qu'aussitôt je venais recevoir ses ordres. Il me demanda si Biron ne m'avait pas dit ce qu'il me voulait. Je lui dis que oui. Que pour lui marquer mon obéissance, j'étais venu dans le moment à 6 chevaux pour être prêt à tout ce qu'il voudrait, mais que je croyais qu'il n'y avait pas bien fait réflexion. Sur cela, l'abbé Dubois entra, qui le félicita du succès de cette grande matinée, qui en prit occasion de l'exhorter à fermeté et à se montrer maître. Je me joignis à ces deux parties de son discours. Je louai son Altesse royale de l'air dégagé et néanmoins appliqué et majestueux qu'il avait fait paraître, de la netteté, de la justesse, de la précision de ses discours au conseil et de tout ce que je crus susceptible de louanges véritables. Je voulais l'encourager pour les suites et le capter pour le mettre bien à son aise avec moi et m'en avantager pour rompre mon détestable message. L'abbé Dubois s'étendit sur la frayeur du Parlement, sur le peu de satisfaction qu'il avait eu du peuple par les rues, ou qui que ce soit ne l'avait suivi, ou des boutiques, il avait pu entendre des propos très différents de ceux dont il s'était flatté. En effet, cela était vrai, et la peur saisit tellement quelques membres de la compagnie que plusieurs n'osèrent aller jusqu'aux Tuileries.
et que se signalait cet issue de Blamont, président aux enquêtes, déserta sur le degré des Tuileries, se jeta dans la chapelle, s'y trouva si faible et si mal qu'il fallut avoir recours au vin des messes à la sacristie et aux liqueurs spiritueuses. Ces propos de conjouissance finis, l'abbé Dubois se retira et nous reprîmes ceux qu'ils avaient interrompus. Monsieur le duc d'Orléans me dit qu'il comprenait bien que j'avais beaucoup de peine à me résoudre d'apprendre à madame la duchesse d'Orléans une nouvelle aussi affligeante pour elle dans sa manière de penser, mais qu'il m'avouait qu'il ne pouvait lui écrire, qu'ils n'étaient point ensemble sur le tour de tendresse, que cette lettre serait gardée et montrée, qu'il valait mieux ne s'y pas exposer, que j'avais toujours été le conciliateur entre deux, avec une confiance égale là-dessus de part et d'autre, et toujours avec succès, que cela, joint à l'amitié que j'avais pour l'un et pour l'autre, le déterminait à me prier, pour l'amour de tous les deux, à me charger de la commission. Je lui répondis, après les compliments et les respects requis, que de tous les hommes du monde, aucun n'était moins propre que moi à cette commission, même à titre singulier, que j'étais extrêmement sensible et attaché aux droits de ma dignité, que le rang des bâtards m'avait toujours été insupportable, que j'avais sans cesse et ardemment soupiré après ce qu'il venait d'arriver, que je l'avais dit 100 fois à madame la duchesse d'Orléans et plusieurs fois à monsieur Dumaine du vivant du feu roi et depuis sa mort, et une à madame la duchesse Dumaine à Paris la seule fois que je lui eusse parlé, diverses fois encore à monsieur le comte de Toulouse, que madame la duchesse d'Orléans ne pouvait donc ignorer que je ne fusse aujourd'hui au comble de ma joie, que dans cette situation, c'était non pas seulement un grand manque de respect, mais aussi une insulte à moi d'aller lui annoncer une nouvelle qui faisait tout à la fois sa plus vive douleur et ma joie, connue d'elle pour la plus sensible. « Vous avez tort, me répondit monsieur le duc d'Orléans, et ce n'est pas là raisonner. C'est justement parce que vous avez toujours parlé franchement là-dessus au bâtard et à madame d'Orléans elle-même, et que vous êtes toujours conduit tête levée à cet égard, que vous êtes plus propre qu'un autre à ce que je vous demande. Vous avez dit là-dessus votre sentiment et votre goût à madame d'Orléans. Elle ne vous en a pas su mauvais gré. Au contraire, elle vous l'a su bon de votre franchise et de la netteté de votre procédé. Fâchée et très fâchée de la chose en soi, mais non point contre vous. Elle a beaucoup d'amitié pour vous. Elle sait que vous voulez la paix et l'union du ménage. Et il n'y a personne dont elle reçoive mieux que de vous. Et il n'y a personne de plus propre que vous à le bien faire, vous qui êtes dans tout l'intérieur de la famille et à qui elle et moi, chacun de notre côté, parlons à cœur ouvert les uns sur les autres. Ne me refusez point cette marque-là d'amitié. Je sens parfaitement combien le message est désagréable, mais dans les choses importantes, il ne faut pas refuser ses amis. Je contestais, je protestais, grand verbiage de part et d'autre, bref, nul moyen de m'en défendre. J'eus beau lui dire que cela me brouillerait avec elle, que le monde trouverait très étrange que je me chargeasse de cette ambassade. Point d'oreille à tout cela, et empressement si redoublé qu'il fallut céder. Le voyage conclu, je lui demandai ses ordres. Il me dit que le tout ne consistait qu'à lui dire le fait de sa part et d'y ajouter précisément que, sans des preuves bien fortes contre son frère, il ne se serait pas porté à cette extrémité. Je lui dis qu'il devait s'attendre à tout de la douleur de sa femme et en trouver tout bon dans ses premiers jours. Lui laisser la liberté de Saint-Cloud, de Bagnolet, de Paris, de Montmartre, de le voir ou de ne le point voir, se mettre en sa place et adoucir un si grand coup par toutes les complaisances et les attentions imaginables, donner lieu et plein champ aux caprices et aux fantaisies et ne craindre point d'aller trop loin là-dessus. Il y entra avec amitié et compassion pour madame la duchesse d'Orléans, sentant et revenant souvent au travers qu'elle avait si avant sur sa bâtardise, moi rompant la mesure et disant qu'il n'était pas maintenant saison de le trouver mauvais. Je lui demandai aussi de ne point trouver mauvais ni étrange que madame la duchesse d'Orléans, sachant ce que je lui portais, refusait de me voir. Il me permit en ce cas de n'insister point et me promit de ne s'en fâcher pas contre elle. Après ces précautions, de la dernière desquelles je méditais de faire usage, je le priai de me dire si, madame étant à Saint-Cloud, il me chargeait de la voir ou non.
Il me remercia d'y avoir pensé et me pria de lui rendre compte de sa part de toute sa matinée et surtout me recommanda de revenir tout droit lui dire comment le tout se serait passé. Je protestai encore de l'abus qu'il faisait de mon obéissance, de ma juste répugnance, de mes raisons personnelles et particulières de résistance, des propos du monde auquel il m'exposait, et finalement je le quittai comblé de ses amitiés et de douleur de ce qu'il exigeait de la mienne. Sortant d'avec lui, je trouvai un page de Madame la Duchesse d'Orléans, tout beauté, qui arrivait de Saint-Cloud. Je le priai d'y retourner sur le champ au galop, de dire en arrivant à la duchesse Sforze que j'y arrivais de la part de M. le duc d'Orléans, que je la suppliais que je la trouvasse en descendant de carrosse et que je la pusse entretenir en particulier avant que je visse Madame la duchesse d'Orléans ni personne. Mon projet était de ne voir qu'elle, de la charger du paquet sous couleur du plus de respect pour Madame la Duchesse d'Orléans, et de ne la point voir, puisque je m'étais assuré que Monsieur le Duc d'Orléans ne trouverait pas mauvais qu'elle refusât de me voir, et de lui faire trouver bon, à mon retour, que j'en eusse usé de la sorte. Mais toute ma pauvre prudence fut confondue par celle du page, qui n'en eut pas moins que moi. Il se garda bien d'être porteur de telles nouvelles qu'il venait d'apprendre au palais royal et qui étaient publiques partout. Il se contenta de dire que j'arrivais, envoyé par M. le duc d'Orléans, ne sonna mot à Mme Sforze et disparut tout aussitôt. C'est ce que j'appris par la suite et ce que je vis presque aussi clairement en arrivant à Saint-Cloud. J'y étais allé au petit trot pour donner loisir au page d'arriver devant moi et à la duchesse Sforze de me recevoir. Pendant le chemin, je m'applaudissais de mon adresse, mais je ne laissais pas d'appréhender qu'il faudrait voir Madame la Duchesse d'Orléans après Madame Sforze. Je ne pouvais pas m'imaginer que Saint-Cloud fût encore en ignorance des faits principaux de la matinée, et néanmoins j'étais dans une angoisse qui ne se peut exprimer et qui redoublait à mesure que j'approchais du terme de ce triste voyage. Je me représentais le désespoir d'une princesse folle de ses frères, au point que, sans les aimer, surtout le duc de Maine, elle n'estimait sa propre grandeur qu'en tant qu'elle relevait et protégeait la leur, avec laquelle rien n'avait de proportion dans son esprit et pour laquelle rien n'était injuste. Qui, accoutumé à une égalité de famille par les intolérables préférences du feu roi pour ses bâtards sur ses enfants légitimes, considérait son mariage comme pour le moins égal et l'état royal de ses frères comme un état naturel, simple, ordinaire, de droit, sans la plus légère idée que cela pût être autrement, et qui regardait avec compassion dans moi et avec un mépris amer dans les autres quiconque imaginait quelque chose de différent à ce qu'elle pensait à cet égard. Qui verrait ce colosse monstrueux de grandeur présente et future solennellement abattu par son mari et qui me verrait venir de sa part sur cette nouvelle, moi qui étais dans sa confidence la plus intime et la plus étroite sur toutes ces choses, moi dont elle ne pouvait ignorer l'excès de ma joie de cela qui ferait sa plus mortelle douleur. S'il est rude d'annoncer de fâcheuses nouvelles aux plus indifférents, combien plus à des personnes en qui l'estime et l'amitié véritable et le respect du rang se trouvent réunis, et quel embarras de plus dans une espèce si singulière. Pénétré de ces sentiments douloureux, mon carrosse arrive au fond de la grande cour de Saint-Cloud, et je vois tout le monde aux fenêtres et accourir de toutes parts. Je mets pied à terre et je demande au premier que je trouve de me mener chez Madame Sforze dont j'ignorais le logement. On y court, on me dit qu'elle est au salut avec Madame la Duchesse d'Orléans dont l'appartement n'était séparé de la chapelle que par un vestibule à l'entrée duquel j'étais. Je me jette chez la maréchale de Rochefort dont le logement donnait aussi sur ce vestibule et je prie qu'on m'y fasse venir Madame Sforze. Un moment après, on me vient dire qu'on ne savait ce qu'elle était devenue et que Madame la Duchesse d'Orléans, sur mon arrivée, retournait m'attendre dans son appartement. Un autre, tout aussitôt, me vint chercher de sa part, puis un second coup sur coup. Je n'avais qu'un cri après la Duchesse Sforze, résolue de l'attendre, lorsque, incontinent, la maréchale de Rochefort arriva, clopinant sur son bâton, que Madame la Duchesse d'Orléans envoyait elle-même pour m'amener chez elle. Grande dispute avec elle, voulant toujours voir Madame Sforze, qui ne se trouvait point.
Je voulus aller chez elle pour m'éloigner et me donner du temps, mais la maréchale inexorable me tirait par les bras, me demandant toujours les nouvelles que j'apportais. Au bout, enfin, je lui dis « Celle que vous savez ». « Comment, reprit-elle, c'est que nous ne savons chose au monde, et si ce n'est qu'il y a un lit de justice, et nous sommes sur des charbons de savoir pourquoi et ce qui s'y est passé. » Moi, dans un étonnement extrême, je me fis répéter à 4 fois et jurer par elle qu'il était vrai qu'on ne savait rien dans Saint-Cloud. Je lui dis de quoi il s'agissait, et à son tour, elle pensa tomber à la renverse. » Je fis effort pour n'aller point chez Madame la Duchesse d'Orléans, mais jusqu'à 6 ou 7 messages redoublés pendant cette dispute me forcèrent d'aller avec la maréchale qui me tenait par le poing, s'épouvantait du cas et me plaignait bien dans la scène que j'allais voir ou plutôt faire. J'entrai donc à la fin, mais glacé, dans cet appartement des goulottes de Madame la Duchesse d'Orléans, où ces gens assemblés me regardèrent avec frayeur par celle qui était peinte sur mon visage. On entra dans la chambre à coucher, la maréchale me laissa. On me dit que son Altesse royale était dans un salon de marbre qui tient et est plus bas de 3 marches. J'y tournai, et du plus loin que je la vis, je la saluai d'un air tout différent de mon ordinaire. Elle ne s'en aperçut pas d'abord et me pria de m'approcher d'un air gai et naturel. Me voyant après arrêtée au bas de ses marches, « Mon Dieu, monsieur, s'écria-t-elle, quel visage vous avez, que m'apportez-vous ? » Voyant que je demeurais sans bouger et sans répondre, elle s'émut davantage en redoublant sa question. Je fis lentement quelques pas vers elle, et à sa 3e question, « Madame, dis-je, est-ce que vous ne savez rien ?»« Non, monsieur, je ne sais quoi que ce soit au monde qu'un lit de justice et rien de ce qui s'est passé. »« Ah, madame, interrompis-je en me détournant à demi, je suis donc encore bien plus malheureux que je ne pensais l'être. » « Quoi donc, monsieur ? » reprit-elle. « Dites, vitement, qu'y a-t-il ? » Et se levant à son séant d'un canapé sur lequel elle était couchée, « Approchez-vous, asseyez-vous. » Je m'approchai et lui dis que j'étais au désespoir. Elle, de plus en plus émue, me dit « Mais parlez donc, il vaut mieux apprendre les mauvaises nouvelles par ses amis que par d'autres. » Ce mot me perça le cœur et ne me rendit sensible qu'à la douleur que je lui allais donner. Je m'avançai encore vers elle et lui dis enfin que monsieur le duc d'Orléans avait réduit monsieur le duc du Maine au rang unique d'ancienneté de sa pairie et en même temps rétabli monsieur le comte de Toulouse dans tous les honneurs dont il jouissait. Je fis en cet endroit une pause d'un moment. Puis j'ajoutai qu'il avait été donné à monsieur le duc la surintendance et l'éducation du roi. Les larmes commencèrent à couler avec abondance. Elle ne me répondit point, ne s'écria point, mais pleura amèrement. Elle me montra un siège, et je m'assis, les yeux fichés par terre, pendant quelques instants. Ensuite, je lui dis que monsieur le duc d'Orléans, qui m'avait plutôt forcé que chargé d'une commission si triste, m'avait expressément ordonné de lui dire qu'il avait des preuves en main très fortes contre monsieur du Maine, que sa considération à elle l'avait retenue longtemps, mais qu'il n'avait pu différer davantage. Elle me répondit avec douceur que son frère était bien malheureux, et puis après me demanda si je savais son crime et de quelle espèce. Je lui dis que monsieur le duc d'Orléans ne m'en avait du tout appris que ce que je venais de lui rendre, mais que je n'avais osé le questionner sur une matière de cette nature, voyant qu'il ne m'en disait plus. Un moment après, je lui dis que monsieur le duc d'Orléans m'avait expressément chargé de lui témoigner la douleur très vive qu'il ressentait de la sienne, à quoi j'ajoutai tout ce que le trouble où j'étais me put permettre de m'aviser pour adoucir un compliment si terrible. Et après quelques interstices, je lui témoignai ma douleur particulière de la sienne, toute la répugnance que j'avais eue à ce triste message, toute la résistance que j'y avais apportée, à quoi elle me répondit que par des signes et quelques mots obligeamment coupés de sanglots. Je finis, suivant l'express permission que j'en avais de monsieur le duc d'Orléans, par lui glisser que j'avais essayé de parer ce coup. Sur quoi elle me dit que, pour le présent, je la voudrais bien dispenser de la reconnaissance. Je repris qu'il était trop juste qu'elle ne pensât qu'à sa douleur et à chercher tout ce qui la pourrait soulager, que tout ce qui y contribuerait serait bon à monsieur le duc d'Orléans, le voir, ne le point voir que lorsqu'elle le désirerait, demeurer à Saint-Cloud, aller à Bagnolet ou à Montmartre, d'y demeurer tant qu'il lui plairait, en un mot, tout ce qu'elle désirait faire.
que j'avais charge exprès de la prier de ne se contraindre sur rien et de faire tout ce qui lui conviendrait davantage. Là-dessus, elle me demanda si je ne savais point ce que M. le duc d'Orléans voudrait sur ses frères et qu'elle ne les verrait point si cela ne lui convenait pas. Je répondis que n'ayant nul ordre à cet égard, c'était une marque qu'il trouverait fort bon qu'elle les vît, qu'à l'égard de M. le duc de Toulouse, conservé en entier, il n'y pouvait avoir aucune matière à difficulté, et que pour M. le duc du Maine, je n'y en croyais pas davantage, que je hasarderais même de lui en répondre s'il en était besoin. Elle me parla encore de celui-ci, qu'il fallait qu'il fût bien criminel, qu'elle était réduite à le souhaiter. Un redoublement de larmes suivit ces dernières paroles. Je restai quelque temps sur mon siège, n'osant lever les yeux dans l'état du monde le plus pénible, incertain de demeurer ou de m'en aller. Enfin, je lui dis mon embarras, que je croyais néanmoins qu'elle serait bien aise d'être seule quelque temps avant de me donner ses ordres, mais que le respect me tenait dans un égal suspens de rester ou de la laisser. Après un peu de silence, elle témoigna qu'elle désirait ses femmes. Je me levai, les lui envoyai, et leur dis que si son Altesse royale me demandait, on me trouverait chez madame, chez la duchesse Sforze ou chez la maréchale de Rochefort. Je ne trouvais ni l'une ni l'autre de ces dames, et je montai chez madame. Je vis bien en entrant qu'on s'y attendait à me voir, et qu'on en avait même quelque impatience. Je fus environné du peu de monde qui était dans sa chambre, à qui je ne m'ouvris de rien, tandis qu'on l'avertissait dans son cabinet où elle l'écrivait comme elle faisait presque toujours, et me fit entrer dans l'instant. Elle se leva dès que je parus, et me dit avec empressement « Eh bien, monsieur, voilà bien des nouvelles !» En même temps, ces dames sortirent et je demeurai seul avec elles. Je lui fis mes excuses de n'être pas venu d'abord chez elle comme le devoir le voulait, sur ce que M. le duc d'Orléans m'avait assuré qu'elle trouverait bon que je commençasse par Mme la duchesse d'Orléans. Elle le trouva très bon en effet, puis me demanda les nouvelles avec grand empressement. Ma surprise fut extrême lorsque je connus enfin qu'elle n'en savait nul autre que le lit de justice et chose aucune de ce qui s'était passé. Je lui dis donc l'éducation du roi donnée à monsieur le duc, la réduction des bâtards au rang de leur pairie et le rétablissement du comte de Toulouse. La joie se peignit sur son visage et elle me répondit avec un grand « enfin redoublé » qu'il y avait longtemps que son fils aurait dû l'avoir fait mais qu'il était trop bon. Je la fis souvenir qu'elle était debout mais par politesse elle y voulut rester. Elle me dit que c'était où la folie de Madame Dumaine avait conduit son mari, me parla du procès des princes de sang contre les bâtards et me conta l'extravagance de Madame Dumaine qui, après l'arrêt intervenu entre eux, avait dit en face à M. le duc d'Orléans en montrant ses deux fils qu'elle les élevait dans le souvenir et dans le désir de venger le sort qui leur était fait. Après quelques propos de part et d'autre sur la haine, les discours, les mauvais offices, et puis encore du duc et de Madame Duchesse du Maine contre Monsieur le duc d'Orléans, Madame me pria de lui conter, de fil en aiguille, ce fut son terme, le détail de cette célèbre matinée. Je la fis encore inutilement souvenir qu'elle était debout et lui représentai que ce qu'elle désirait apprendre serait long à raconter, mais son ardeur de le savoir était extrême. Monsieur le duc d'Orléans m'avait ordonné de lui tout dire, tant ce qui s'était passé au conseil qu'au lit de justice. Je le fis donc à commencer dès le matin. Au bout d'un quart d'heure, Madame s'assit, mais avec la plus grande politesse. Je fus près d'une heure avec elle, toujours à parler, et quelquefois répondre à quelques questions. Elle, ravie de l'humiliation du Parlement et celle des bâtards, et que monsieur son fils eut enfin montré de la fermeté. La maréchale de Rochefort fit demander à entrer, et après des excuses à Madame la duchesse d'Orléans et Madame, elle lui demanda permission de m'emmener parce que son Altesse royale me voulait parler. Madame m'y envoya sur le champ, mais en me priant bien fort de revenir chez elle dès que j'aurais fait avec Madame la duchesse d'Orléans. Je descendis donc avec la maréchale. En entrant dans l'appartement de son Altesse royale, ses femmes et tous ses gens m'environnèrent pour que je l'empêchasse d'aller à Montmartre, où elle venait de dire qu'elle s'en allait. Je les assurai que mon message était assez bien fâcheux, sans que j'y ajoutasse de moi-même que son Altesse royale n'était point dans un état à la contraindre ni à la contredire, et que j'avais bien prévu qu'elle voudrait aller à Montmartre et pris mes précautions là-dessus, que M. le duc d'Orléans trouvait bon cela et toute autre chose qui serait au soulagement et à la consolation de son Altesse royale, et qu'ainsi je n'en dirais pas une parole.
J'avançais, toujours importuné là-dessus, et je trouvais Madame Duchesse d'Orléans sur le même canapé où je l'avais laissée, une écritoire sur les genoux et la plume à la main. Dès qu'elle me vit, elle me dit qu'elle s'en allait à Montmartre, puisque je l'avais assurée que Monsieur le Duc d'Orléans le trouvait bon, qu'elle lui écrivait pour lui en demander pourtant la permission, et me lut sa lettre commencée de 6 ou 7 lignes de grande écriture sur de petits papiers. Puis en me regardant avec un air de douceur et d'amitié, « Les larmes me gagnent, me dit-elle, je vous ai prié de descendre pour me rendre un office. La main ne va pas très bien, je vous prie d'achever d'écrire pour moi. » Et me tendit l'écritoire et sa lettre dessus. Je la pris, elle m'en dicta le reste que j'écrivis tout de suite à ce qu'elle avait écrit. Je fus frappé du dernier étonnement d'une lettre si concise, si expressive, des sentiments les plus convenables, des termes si choisis, tout enfin dans un ordre ou une justesse qu'aurait à peine produite dans le meilleur écrivain les réflexions les plus tranquilles, et cela coulait de source parmi le plus violent trouble, l'agitation la plus subite et le plus grand mouvement de toutes les passions à travers les sanglots et un torrent de larmes. Elle finissait qu'elle allait pour quelque temps à Montmartre pleurer le malheur de ses frères et prier Dieu pour sa prospérité. J'aurais regret toute ma vie de ne l'avoir pas transcrite. Tout y était si juste, si digne, si compassé, que tout y était également dans le vrai et dans le devoir. Une lettre enfin si parfaitement belle qu'encore que je me souvienne en gros de ce qu'elle contenait, je n'ose l'écrire de peur de la défigurer. Quel profond dommage que tant d'esprit, de sens, de justesse, qu'un esprit si capable de se posséder dans les moments premiers et si peu susceptible de frein, se soit rendu inutile à tout, et pis encore par cette fureur de bâtardise qui perdit et consuma tout. Cette lettre écrite, je la lui lus. Elle ne la voulait point fermer et me pria de la rendre. Je lui dis que je remontais chez madame et qu'avant partir, je saurais de son altesse royale si elle n'avait plus rien à m'ordonner. Comme j'achevais avec madame, la duchesse Sforze vint lui parler de la part de madame la duchesse d'Orléans sur son voyage de Montmartre pour la prier de garder avec elle mademoiselle de Valois. La mère et la fille n'étaient pas trop bien ensemble et celle-ci haïssait souverainement les bâtards et leur rang. Madame, avec bonté, approuva tout ce que voudrait Madame la Duchesse d'Orléans, plaignant sa douleur. Après cette parenthèse, je repris mon arrêt. Comme il finissait, la maréchale de Rochefort revint prier Madame de vouloir bien descendre chez Madame la Duchesse d'Orléans, qui, en l'état où elle était, ne pouvait monter, et nous dit qu'elle changeait d'avis pour Montmartre et resterait à Saint-Cloud. La maréchale sortit, je finis et suivis Madame. Je ne voulus point entrer avec elle chez Madame la Duchesse d'Orléans pour les laisser plus libres. Madame Sforze en sortit, qui me dit que le voyage était encore changé et qu'elle allait à Paris. Là-dessus, je la priai de rendre à son Altesse royale la lettre qu'elle m'avait donnée pour Monsieur le Duc d'Orléans et de savoir si elle n'avait rien à m'ordonner. Madame Sforze revint aussitôt, me mena chez elle pour prendre l'air au bord de ce beau bassin qui est devant le degré du château. Nous nous assîmes du côté des goulottes, où il me fallut encore bien compter. Je n'oubliais pas de me servir de la permission de Monsieur le Duc d'Orléans pour lui dire ce que j'avais fait pour sauver le Duc de Maine. Mais je voulus y ajouter que, voyant l'éducation sans ressources, j'avais voulu la réduction au rang des pairies et fait faire en même temps le rétablissement du comte de Toulouse. J'appuyais sur ce que j'avais toujours professé nettement à cet égard avec les bâtards, même et surtout avec Madame la Duchesse d'Orléans, auquel je ne tenais pas parole puisque j'en sauvais un n'ayant pu empêcher la privation de l'éducation à l'autre contre mon plus sensible intérêt. Madame Sforze, femme très sûre et fort mon amie, qui avait des raisons personnelles de n'aimer ni monsieur ni madame Dumaine, et n'était fâchée que de la douleur de madame la duchesse d'Orléans, me dit qu'elle voulait ignorer ce que j'avais fait pour obtenir la réduction du rang, mais qu'elle en ferait usage du reste. J'étais attaché d'amitié à madame la duchesse d'Orléans. Elle me témoignait toute confiance, elle me devait de la reconnaissance en toutes les façons possibles. Je n'étais pas inutile entre elle et monsieur le duc d'Orléans. Je désirais fort demeurer en état de contribuer à leur union et au bien intérieur de la famille. Après de longs propos, je la priai de se charger auprès de madame la duchesse d'Orléans de ce que je n'attendais point que madame fût sortie de chez elle pour la voir encore, puisqu'elle était à Paris, et je m'en allai droit au palais royal où je trouvais monsieur le duc d'Orléans
avec Madame la Duchesse de Berry. Il me vint trouver dans ce même grand cabinet dès qu'il m'y sut et je lui rendis compte de tout ce qui s'était passé. Il fut ravi de la joie que Madame m'avait témoignée sur le duc de Maine et me dit que celle de Madame la Duchesse de Lorraine ne serait pas moindre. Il en venait de recevoir une lettre toute là-dessus pour l'empresser et Madame me venait de dire qu'elle en avait une d'elle toute sur le même sujet. Mais il ne fut pas si content de l'arrivée si prochaine de Madame la Duchesse d'Orléans, dont il me parut fort empêtré. Je lui dis, outre la vérité, ce que je crus le plus propre à le toucher, et lui faire valoir son respect, son obéissance, sa soumission à ses sentiments, et toute la douceur et la soumission qu'elle avait fait paraître dès les premiers moments. Je lui vantais surtout sa lettre, et je n'oubliais pas aussi ce que je lui avais glissé par sa permission, et dit encore à Madame Sforcé sur mon compte à l'égard des bâtards. Il me demanda conseil s'il la verrait en arrivant. Je lui dis que je croyais qu'il devait descendre dans son cabinet au moment de son arrivée, faire appeler Madame Sforcé, la charger de dire à Madame la Duchesse d'Orléans qu'il était là pour la voir ou ne la point voir, tout comme elle l'aimerait mieux sans nulle contrainte savoir de ses nouvelles, et faire après tout ce qu'elle voudrait là-dessus. Que s'il la voyait, s'il fallait lui faire toutes les amitiés possibles, s'attendre à la froideur, peut-être aux reproches, sûrement aux larmes et aux cris, mais qu'il était de l'humanité, de plus de son devoir d'honnête homme, de souffrir tout cela en cette occasion, avec toutes sortes de douceur et de patience, et quoi qu'elle pût dire ou faire, de l'en traiter au mieux. Je lui inculquai bien cela en tête, et après m'être un peu vengé à lui reprocher l'abus qu'il venait de faire de moi, je le laissai dans l'attente de cette importune arrivée, et m'en allai me reposer, excédé et poussé à bout après une telle huitaine d'une dernière journée, si complète en fatigue de corps et d'esprit, et je rentrai chez moi qu'il était presque nuit. Je sus après que Madame la Duchesse d'Orléans était arrivée au Palais Royal une demi-heure après que j'en fus sorti. Ses frères l'attendaient dans son appartement. Dès qu'elle les aperçut, elle leur demanda s'ils avaient la permission de la voir, et, les yeux secs, leur déclara qu'elle ne les verrait jamais si Monsieur le Duc d'Orléans le désirait. Ensuite, ils s'enfermèrent une heure ensemble. Dès qu'ils furent sortis, Monsieur le Duc d'Orléans y descendit avec Madame la Duchesse de Berry qui était restée pour le soutenir dans cet assaut. Jamais tant de force ni de raison. Elle dit à Monsieur le Duc d'Orléans qu'elle sentait trop l'extrême honneur qu'il lui avait fait en l'épousant pour que tout autre sentiment ne cédât pas à celui-là. C'était la première fois depuis 30 ans qu'elle lui parlait de la sorte. Puis, s'attendrissant, elle demanda pardon de pleurer le malheur de son frère, qu'elle croyait très coupable, et qu'elle désirait-elle, puisqu'il avait été jugé digne d'un si grand châtiment. Là-dessus, pleurs, sanglots, cris de la femme, de la fille, du mari même, qui se surpassèrent en cette occasion. Cette triste scène dura une heure. Ensuite, Madame la Duchesse d'Orléans se mit au lit, et Monsieur le Duc d'Orléans et Madame la Duchesse de Berry remontèrent le degré. Le soulagement alors fut grand de toutes parts. Le lendemain et le jour suivant se passèrent en douceur, après lesquels Madame la Duchesse d'Orléans, succombant aux efforts qu'elle s'était faits, commença d'aller au but qu'elle s'était proposé de savoir les crimes de son frère, puis de tâcher de lui ménager une audience de son mari, espérant tout du face à face, enfin de proposer la publication de ses méfaits ou son rétablissement. À mesure qu'elle ne réussissait pas, chagrin, larmes, aigreur, emportement, fureur et fureur sans mesure. Elle s'enferma sans vouloir voir le jour, ni son fils même qu'elle aimait avec passion, et porta les choses au-delà de toute mesure. Elle savait bien à qui elle avait affaire. Tout autre que Monsieur le Duc d'Orléans, se voyant à bout de complaisance et d'égard, lui demandait une bonne foi et bien ferme lequel elle aimait le mieux et de préférence de lui ou de son frère. Si lui, qu'elle ne devait avoir d'autres intérêts que les siens, et ne lui parlait jamais de son frère, ni de rien qui en approchât, ce qui lui défendait très expressément, et ne pas troubler le repos et l'intelligence de leur union par ce qui ne pouvait que la rompre. Si son frère, qu'elle pouvait se retirer au lieu qu'il lui marquerait, et avec la suite et les gens qu'il choisirait, et comptait d'y passer sa vie sans entendre jamais parler de ses frères, non plus que de lui, ni de leurs enfants.
Avec ce sage et nécessaire compliment et une conduite soutenue, monsieur le duc d'Orléans se serait bien épargné des scènes, des chagrins, des dépits, des importunités, des malaises et des misères, et à madame la duchesse d'Orléans aussi. Et chasser sur le champ madame de Châtillon, les Saint-Pierre et quelques bas domestiques qui faisaient leur cour à madame la duchesse d'Orléans et l'entretenir en cette humeur et qui était son conseil là-dessus pour la gouverner dans tout le reste. Ce n'était pas à moi d'inspirer une si salutaire conduite à monsieur le duc d'Orléans. Aussi me gardai-je très soigneusement de lui en laisser apercevoir la plus petite lueur. Je fus d'autant plus réservé à ne lui jamais parler de madame la duchesse d'Orléans là-dessus et à laisser tomber tout discours quand il m'en faisait ses plaintes, qu'ayant dit à madame Sforze à Saint-Cloud que je la priais de dire à madame la duchesse d'Orléans que je croyais plus respectueux de la laisser ses premiers jours sans l'importuner peut-être, j'attendrai à avoir l'honneur de la voir jusqu'à ce que son Altesse royale me fît par elle dire d'y aller. Le lendemain, j'allais seulement savoir de ses nouvelles sans entrer. Je vis après madame Sforze qui me dit que son Altesse royale me priait de ne pas trouver mauvais si elle avait quelque peine à me voir dans ces prochains jours. J'y entrai fort bien et compris le contraste que faisait en elle la joie qu'elle ne pouvait douter que j'eusse avec sa douleur. Mais ces quelques jours n'ont point eu de fin et de ce moment je demeurai brouillé avec elle.